Je vais être parrain des championnats de France militaire de natation qui se dérouleront à Istres. J'ai eu la chance de faire ces championnats de France militaire 5 ou 6 fois en ces 9 ans. Je retiens plein de choses, notamment les compétitions sportives que j'ai faites. J'ai fait les championnats mondiaux militaires il y a quelques années déjà. J'ai eu la chance de faire de la natation et du handball avec l'équipe de France militaire. Donc c'était plutôt cool et que je pense qu'il n'y avait que des bons moments. Je dirais à un futur sportif qui compte à intégrer l'armée de champions que c'est une... Il y a plein de valeurs, il y a l'abnégation, il y a la solidarité qu'on retrouve dans le sport, qu'on retrouve aussi dans l'institution militaire. Et je pense que c'est des choses qui sont similaires, donc c'est bien de faire les deux et qu'on partage énormément de bons moments. Oui, je suis attaché à l'institution. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de rester en réserviste aussi pour être dans l'équipe de France de handball. A fait honneur aux armées. Voilà. Et je vous remercie pour tout ce que vous apportez aux armées et tout ce que je comprends que vous allez continuer d'apporter. Puisque vous vous engagez comme réserviste auprès du CNSD. Merci beaucoup.